monde, c'est Neski pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'hebdo du routier avec une grosse nouvelle. Vous allez me dire, bah tiens, Neski, t'aimes pas les voitures? Tu te retrouves en voiture, qu'est-ce qui se passe? Oh, ce qui répond au scandale. Attention, n'oubliez pas qu'il y a toujours donc mon concours qui est en cours. Donc, oui, mon concours qui est en cours. Je suis donc sur le multi. Avant toute chose, donc je reparle du concours. Donc le concours est en cours. Donc n'oubliez pas que c'est pour gagner une clé pure farming. Tirage donc vendredi 27 avril dans l'après-midi. Voilà. Donc voilà, pour en venir au vif du sujet, il y a eu une grosse nouveauté qui est apparue hier matin sur avant-hier matin pardon sur Tracker MP. Maintenant les voitures peuvent tirer des caravanes et donc ce week-end j'annonce que je ferai un petit convoi avec les abonnés en caravane. Donc voilà, on va mettre les choses en route. Présenter donc la cargaison, donc on va pas prêter attention. Donc bien sûr, ce n'est uniquement que sur l'Europe 2. N'accrochez pas ces caravanes sur vos camions parce que vous serez banni instantanément. Donc voilà, évitez ce genre de choses. Ceux qui n'ont pas une bonne config, je vous le déconseille. Évitez les voitures parce que si vous rentrez dans un camion, le camion va s'envoler, c'est un truc phénoménal. Donc ici j'ai pris une grosse un gros convoi de 1000 km. Donc une caravane, ça fait une tonne. On démarre de Graz jusqu'à de Trayette jusqu'à Rome. Donc pour 39 000 €, soit 37,50 € du kilomètre, et donc 1000 kilos, une tonne. C'est parti, donc on va parler tout en roulant, hein. Comme ça on fera un maximum de kilomètres, et puis voilà quoi. Donc les voitures n'ont toujours pas leur propre physique. Attention que maintenant on est bridé à 150 km/h, donc pour tout le monde, sur ETS. Donc je vous fais part des nouveautés qu'il y a eu ici récemment. Et donc en fait, donc on est bridé donc à 80 dans les villes, que ce soit sur Europe 1 ou compagnie. On est bridé donc à 80 en ville et 150 sur l'autoroute. Donc je sais pas ici si normalement oui je vais pouvoir atteindre les 150 avec la voiture facilement, vu que je les atteins avec donc là voilà, hop, on est bridé à 150. Donc ça va plus ou moins vraiment bien se passer. Désolé, ce gameplay ne sera pas RP, je sais, c'est une bagnole après tout les gars, hein. Donc une bagnole, il n'y a pas de mal. Alors, faut savoir que bon, en live, j'ai atteint la vitesse, donc avec mon Scania d'origine, les 182 km/h. Deux jours après, j'ai tiré la gueule parce qu'on était bridé à 150, je me demandais pour voir s'ils avaient juste patch donc le camion, ou alors, donc mon camion, qui est donc le Scania S, ou alors si c'était définitif pour tout le monde. Mais donc apparemment c'est pour tout le monde, j'ai essayé des camions, tous les camions j'ai essayé, et tous les camions sont bridés à 150 km/h. Donc voilà, c'est vraiment une déception pour les gens qui roulaient correctement, on va dire plus ou moins comme moi, parce que ben moi voilà, je faisais quand même attention aux autres quand je faisais ce genre de choses, j'essayais d'être tout seul sur la route, et pas bourriner dans les autres comme beaucoup de font. Voilà, donc voici la caravane. Les clignotants sont fonctionnels, les feux, vous pouvez le voir, voilà, vraiment très stylé, le 3 stop, voilà, un petit coup de frein pour vous montrer, ça a l'air assez correct. Donc, je répète, ne faites surtout pas ça sur un camion, vous allez être ban instantanément, c'est le multi qui a développé ça, donc GG à eux. D'ailleurs, on va faire une petite miniature, les amis, hop, ah non, ici, il faut être à l'arrêt. On va se mettre à l'arrêt après. Il n'y a personne, donc on va se mettre à l'arrêt au calme. Hein. Voilà, ici. Voilà, dites rien à personne. On y va. Donc, prendre une photo. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ma voiture pilote que j'ai, moi, que je joue avec, donc, sur le multi. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est une voiture que j'ai prise moi-même, donc voilà la petite miniature des familles. Donc allez, donc c'est reparti. Moi honnêtement je suis pas fan des voitures parce que bon, il y a vraiment des casse-bonbons avec leur bagnole qui bloquent les routes. Enfin voilà, franchement voilà. Donc j'organise ce convoi samedi 13 h sans faute. Convoi donc avec voiture caravane. Donc soyez présents avec une voiture caravane. Ne mettez pas de gyro de police,
parce que sinon vous serez automatiquement en panneau aussi. Un kick, voilà, tout simplement. Donc essayez de faire en sorte que ça soit comme ça. Donc ça, vous voyez, ça c'est autorisé. Voilà, c'est voilà, c'est la façon dont on va présenter les voitures pilotes. Puis voilà. Donc voilà. Alors, je suis vraiment désolé aussi pour le bug qu'il y a eu la fois dernière avec l'épisode. Donc je vous parlais un petit peu et dit. Donc les choses se sont un peu arrangées ici. Et donc voilà, ici le week-end vient de passer, on a fêté l'anniversaire de mon fiston qui a donc 6 ans demain, à laquelle vous regarderez la vidéo, ça sera donc demain, jeudi. Donc. Et donc il aura 6 ans. Donc nous on a fêté ça le week-end et donc tout s'est remis dans l'ordre, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas déménagé, je suis toujours au même endroit. Et puis voilà, comme ça vous savez quoi et qu'est-ce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Et donc voilà, non il n'y a rien, Madame Neski est toujours là, Madame Neski viendra toujours sur les lives. Voilà, en tout cas un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette dure épreuve quand même. Parce que c'est une épreuve assez dure et lourde à vivre hein. Donc voilà. Et alors, voilà. Donc, merci à tous. Pour le reste, je pense que j'ai tout dit, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, donc. Oubliez ce qui s'est produit. J'ai fait une pause, oui, mais rien de plus. Et puis, voilà. Donc, ça m'a permis aussi de réfléchir pour YouTube et de voir un petit peu si... Mais il y avait des fidèles, et effectivement, il y en a quand même quelques-uns. Donc, ça fait plaisir. À vous de jouer le jeu, à vous de revenir, à vous de publier un peu les vidéos, à vous de voilà de me suivre. N'oubliez pas donc que maintenant mon Instagram est disponible aussi. Et là c'est tout mon feed qui est posté dessus. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre si vous voulez voir ma gueule et un petit peu mon petit corps d'Albat là que je suis en train d'entraîner chaque jour durement en dehors des vidéos. Voilà, il y a mon Snap aussi qui est disponible, ceux qui veulent un petit peu communiquer avec moi, donc n'hésitez surtout pas, hein, on est là pour s'entraider, donc n'hésitez surtout pas les amis. Allez go. Donc ici je ne sais pas si on va faire les 1000 km, je pense plutôt que on va faire plutôt là. Vous voyez ça peut partir très vite, donc voilà. On va faire une grosse partie, on va faire plutôt, allez comme c'est une voiture qu'on évite à 150 km. On va faire plutôt, je ne sais même pas vous dire en réalité. Oh, est-ce qu'il était brut, mec. Donc alors, ouais, voilà, la remorque a vécu 7%. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc, moi, je finirai avec vous un... Genre, je crois, on va faire 500 km, un truc du genre. Et le reste, je finirai hors caméra. Désolé, les amis, mais bon. En étant donné que c'est quand même un gros voyage, j'ai pas envie de vous casser les bonbons plus longtemps que ça. N'oubliez pas le concours, encore une fois, c'est un rappel, je vous casse les bonbons, mais c'est vraiment pour vous offrir l'opportunité de gagner cette clé, donc qui sera donc une clé, comment dire... Ah, on est arrivé chez les Italiens. Arrête-toi, bordel. Oh putain, ouais. Alors, les freins de la voiture sont vraiment médiocres, sachez-le. Donc faites attention, je viens déjà donc de mettre 10%. Voilà. Voilà. Allez, donc go, on y va. Donc, ayez quand même une configuration assez élevée pour pouvoir rouler avec ce genre de truc. Aussi, si vous buguez déjà, vous allez rentrer dans les camions et donc et tout. Et donc, c'est pas vraiment gay pour les autres qui suivent les voitures, ou même que les voitures qui savent pas rouler du tout, parce qu'il y a vraiment des gens, c'est vraiment des inconscients, ils savent pas rouler, ils prennent des voitures, ils font des gauches droites, ils rentrent dans les camions, mais c'est vraiment pas gay. Donc voilà, ils ont instauré les voitures, et maintenant à l'heure actuelle, je crois que ça va faire un an et demi que les voitures sont sorties, un an et demi ou deux ans, et ils ont instauré donc des caravanes pour les voitures, donc il n'y a plus de quoi s'ennuyer avec les voitures, il n'y a plus d'excuses, on rentre dans les autres. Voilà, prenez quand même un petit peu sur vous et dites-vous à un moment, bah, tiens, ouais, c'est moi qui ai fait l'accident. Voilà, ça serait vraiment pas mal. Et non pas tout le temps accuser les autres comme les enfants, les gars. Vous pouvez voir ici qu'il y a un camion devant moi.
Je vais essayer de le dépasser donc proprement. Donc là oui, je suis en multi, ce sont des vraies personnes qui conduisent les camions. Mais bon, encore une fois, voilà, faut faire très très attention parce que si tu pètes le camion, tu es ban. Si le mec il te record, tu es ban. Donc faire très très attention. Donc là je vais le suivre, mais je vais me déporter aussi si lui il bug. Voilà, il roule aussi à 150, donc c'est une chose assez dure. Il a dépassé. Ah, il m'a laissé passer. Merci à toi. Gentiment avec les clignotants et tout. Voilà, il n'y a pas besoin de bourriner comme des gros tarés et au final se ramasser tous les crashs. Allez, donc on y va, péage passé. Il y a un collègue avec sa caravane qui vient de passer à côté. Donc voilà, ça va être gay en multi. Je pense qu'on va refaire donc des lives sur l'Europe 2, déjà donc ce week-end. Et donc bah voilà, je pense que ça pourra en faire plaisir à plus tard. Et en même temps... Voilà, donc on essaiera d'avoir donc notre ami Farfouille aussi. Je ne sais pas s'il sera là, je ne peux pas vous le garantir à 100%. Étant donné que Mister est un petit peu fainéant déjà pour prendre une remorque avec nous-mêmes, donc voilà. Farfouillette, on l'appelle donc. On l'a surnommé sur mes lives Farfouillette parce que déjà il gueule tout le temps comme une fille. Et voilà, il y a plein de questions qui se posent. Il se réveille, il gueule comme une fille. Prochaine station de service les gars, ben, je m'arrêterai là, je pense que on aura fait donc pas mal de choses ensemble et je pense qu'on aura fait une belle découverte. C'est vraiment stylé je trouve, voilà, vraiment stylé. Allez donc, prochaine station de service qui n'est pas donc tout près, mais on va quand même y arriver. Donc, voilà. Ou alors le péage, on verra. Lequel le premier? Un péage ou une station service? Un péage. Un péage. Donc on s'arrêtera ici au péage, les amis. Voilà. Comme ça, la chose est faite. Alors. Est-ce qu'on peut se garer ici? Je sais même pas si on peut faire ça maintenant. On va dire que oui. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, donc là, il y a une barrière. Et en fait, on peut rentrer donc ici, voilà. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Donc, je vous présente donc la remorque, vite fait. Vous voyez, c'est une caravane, hein. Cool. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous avez kiffé. Donc, regardez, hop, les clignotants. Voilà, tout simplement. Ouais, franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. On n'est pas passé à côté de rien. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un gros like, de partager l'info avec vos amis, de partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis ciao, bye bye, et merci à tous. Quand je dis pouce, vous...